Debout sur le rivage de Corée, il regarde des bateaux s'éloigner et peu à peu disparaître. Ils ont enlevé ses amis, sa famille, son village entier. Suleiman ne voit pas leur visage, mais entend la musique de leurs âmes arrachées à la vie. Et au cœur de la tristesse, une prière s'envole. Libérez mon peuple, libérez-le, libérez-le, libérez nos âmes, libérez nos âmes, libérez mon peuple, libérez-le. Son fils immobile sur la plage, silencieux, les larmes dans les yeux. Il a tellement mal dans sa chair et dans son âme qu'il hurle à n'en plus finir. Sa voix s'unit à celle de ses frères, et au cœur de la tristesse, un chant s'élève.